tous et bienvenue dans cette Je dois, avant de commencer mes essayages fringues et tout, faire un disclaimer. Enfin, je dois pas, mais je le fais parce que j'ai une conscience professionnelle. Par rapport aux sèche-cheveux Pro 5900 de Beauté Live Guiran, dans mon dernier vlog, Vlogmas, j'ai dit dans ma vidéo que oui, il était génial, mais que l'embout, c'était juste pas possible. Parce que pour un sèche-cheveux aussi puissant, il fallait que ça tienne mortadelle Saint-Valentin. Et je faisais comme ça. Tu vois, ça tient pas, c'est pas possible. Et en fait, Nina, l'une d'entre vous, m'a dit, mais appuie quoi. Et franchement, j'appuie, tu vois, là j'appuie. Donc je me disais, mais non, si j'appuie plus, je vais le péter le truc. Mais en fait, comme il est hyper puissant, il faut vraiment appuyer pour qu'il soit vraiment bien clipsé. Voilà. Voilà, et là, il tient mortadelle, ça m'aimait la chèvre. Et la puissance, du coup, eh ben, elle est parfaite. Donc, si je peux vous conseiller ce sèche-cheveux à 100%, je le valide. Et c'est pas pour me vanter, mais en matière de sèche-cheveux, moi, je pratique depuis mes 14 ans, les gars. J'en ai testé et je peux vous dire que si celui-là, il est bien, il est bien. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos et toutes mes excuses à Gouy. Ensuite, je vous parlais de mon rouge à lèvres que j'avais acheté à Intermarché il y a quelques temps de ça, que je n'arrivais pas à le tailler parce que j'avais pas de taille crayon assez grand. Lisette m'a dit de prendre avec un pinceau et ça c'est super cool. Oui, merci Lisette, je ferai ça. Mais qu'est-ce que j'ai retrouvé aujourd'hui dans mes rouges à lèvres? Je l'avais perdu. Mon rouge à lèvres SLA, qui est le numéro 20240, c'est celui que je porte sur les lèvres, qui est un bois de rose, mais un tout petit peu plus peps. Et alors là, par contre, les gars, on est sur de la tenue de compétition. Il est mat et il tient hyper méga bien. Je vous mets le lien des rouges à lèvres SLA en barre d'infos. Franchement, ils valent vraiment le coup. C'est des pépites, ces rouges à lèvres. Nous allons passer à l'essayage. L'essayage. Voilà, ça, c'est le pull jaune que je mets tout le temps que j'ai reçu de la part de Shein. C'était ma dernière commande, je crois. Je l'adore, je le mets tout le temps. Il passe à la machine à laver, au sèche-linge. Il est impeccable, ça m'aimait la chèvre, il ne bouge pas. Et j'ai commandé le même jean que le noir que j'avais reçu, qui est nickel, super solide, je le mets tout le temps. Et ben, j'ai perdu 24 kilos, ouais, quand même. Et ben, en fait, tous mes pantalons sont trop grands. Il me reste juste ceux qui sont encore trop petits parce qu'il me reste encore 6 kilos à perdre. Mais qui me va pile poil, ben, il n'y a que celui de Shein. Du coup, j'ai commandé le même, mais en bleu brut. Voilà. Il est impeccable, exactement comme l'autre. Tu vois, c'est un taille haute, ce qui est super cool. Voilà, de derrière. Donc, je fais un petit 40 et j'ai pris du XL. Voilà, sur Shein. Je fais 1m64 et 63 kilos. Voilà, tu sais tout. Sac poubelle power, YouTube professionnel. Voilà, donc moi je retrousse mes jeans tout le temps. C'est ma marque de fabrique un petit peu. Voilà ce que donne la bête. Donc il est génial, super confortable, impeccable, passe-partout, un jean brut, t'as toujours besoin quoi. Ensuite les gars, on est sur un pull doudou. Écoutez bien par contre ce que je vais vous dire par rapport aux tailles. Donc je vous répète, je fais 1m64. Voilà, je prends en général du M. Là, ce pull, c'est un S. C'est un S. Il taille hyper grand. Voilà, tu vois. Il est hyper confortable. Si tu veux, tu peux même retrousser les manches. Il est tricolore, comme tu peux le voir. Voilà, très large. Je l'adore. Super jolie maille, tu vois. Il n'y a pas de problème dans les finitions. J'aime bien le col un peu bateau comme ça. C'est pas du tout un col bateau. Les cols bateaux, c'est carré. Mais les coutures, tu vois, du col. Bon, là, il y a un fil, mais bon, franchement, hein, au prix où il était, voilà. Et je trouve que le côté tricolore, comme ça, ça donne un petit côté original. Tu comprends? Alors, la troisième tenue, c'est ma préférée. Franchement, comment te dire que j'ai eu un coup de cœur énorme? Oui, tu en tombes à la renverse. Pour cette robe, pull,
qui est juste magnifique, qualitative à souhait. Donc le col qui est assez court. Et alors regarde en entier ce que ça donne, j'aime trop. Et pas trop courte du tout, elle arrive au-dessus du genou. Elle est magnifique, super chaude. Donc moi je l'ai mise avec mes petites bottines. Voilà, vraiment avec la poubelle, ça foire tout. Mais je te jure que dans un bon contexte de soirée, c'est parfait. Deux petites poches sur le devant. Voilà. Oh, franchement, elle est trop belle. Donc, elle est bleu marine et mouchetée comme ça. Une qualité, mais vraiment. Comme dirait Jean-Pierre Coff, on s'est pas foutu de notre gueule, tu vois. Je l'aime trop, mais vraiment. Je pourrais la mettre H24. Voilà, j'en ai fini pour cette superbe commande. Franchement, j'aime tout. Je suis amoureuse. Et reviens là. Amoureuse de tout ce que j'ai reçu. Je vous souhaite... Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vais aller, je sais pas, peut-être courir pendant une heure pour me calmer un petit peu. Je vous fais des gros 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 bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mmh.